Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. SG Design et on découvre le SGD Wilton Trailer Pack. On découvre ça après l'intro. Eh bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui on part du côté de SG Design qui nous a fait un mode plutôt sympathique. Souvenez-vous, le SCS Trailer, alors c'est pas le SCS Trailer Patch, je sais plus ce que c'est le SG... SGD Trailer Patch, voilà, ça sera mieux parce que SS Trailer Patch c'est autre chose. Et du coup, souvenez-vous, il nous a concocté un mode plutôt sympathique où on pouvait modifier les remorques par défaut SCS, les transformer littéralement, modifier énormément de pièces, hein, que ce soit les passages de roues, les coffres à palettes, les barres anti-encastrement, les pare-chocs arrière, on pouvait les transformer en version Schmitz et compagnie. Et d'ailleurs, ce mode est toujours d'actualité, hein, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description si ça peut en intéresser certains. En tout cas, le mode est vraiment très très complet. Et aujourd'hui, en fait, il s'est attaqué à Wilton, donc ce DLC qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et bah, il nous propose justement le SGD Wilton Patch ou Trailer Patch. Et du coup, bah, on va voir un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire sur ce dernier. Alors, en espérant bien entendu que ce soit semblable au SGD Trailer Patch pour les remorques de base. Allez, c'est parti, du coup on va aller récupérer une remorque Wilton, hein, de ce pas, donc ici. Alors a priori c'est compatible uniquement donc pour la bâchée, pour il me semble la plateau, pour le fourgon, et c'est tout. Il me semble que pour les bennes on peut rien faire, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va aller checker, mais il me semble que les bennes on peut pas faire grand chose sur ce mode. C'est dommage, voilà, c'est dommage, hein, parce que clairement les bennes, bah, c'est des remorques qui sont relativement utilisées par la communauté. Et là pour le coup, bah, on n'a pas cette option de pouvoir modifier quoi ou qu'est-ce sur ce véhicule. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, alors du coup, ça sera forcément sur les remorques classiques, hein, bien sûr. Donc notamment cette bâchée de chez Wilton, donc DLC qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, on va regarder un peu ce qu'on peut faire, parce que tout va se passer dans la personnalisation, hein, et non pas bien sûr ça c'est quoi ça? Ah non, ça n'a rien à voir, je pensais que ça appartenait au mode, mais pas du tout. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau là-dedans? Donc ici, rien de spécifique pour le moment, là non plus. Ah, là par contre on a donc la possibilité de mettre des barre anti-encastrement avec des slots, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Donc on en a plusieurs, on a celle-ci avec l'extincteur, ok, très bien. Donc on a la version peinte, la version avec le coffre, la version avec le version peinte également avec l'extincteur, on a celle-ci, donc la version classique, on a celle-ci avec le coffre, donc celle-ci avec la roue de secours peinte. Enfin bon, c'est assez complet, et bien sûr le coffre à palette, et c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça comme ça, c'est très bien. Et bien sûr, hein, j'ai ajouté le Belka Accessories, et on va voir bien sûr, hein, s'il est dispo avec. Alors là déjà on voit qu'il y a déjà des loupiotes à l'intérieur, donc on va utiliser les loupiotes, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on voit qu'on a des LED, alors on va voir un petit peu comment c'est ce truc là, Wilton Orange Left Lamp Light. Donc là on va mettre donc Left, hein, bien sûr. Donc on va mettre ici ces petites ampoules, hein, qui sont fournies avec le mode. On va regarder un peu comment ça fonctionne, si ça mange du FPS, etc. Ça c'est très important de le détailler. Par contre les slots sont pas du tout. Ouais, vous avez vu, c'est faut vraiment que je fasse c'est pas homogène en fait au niveau des slots, donc va falloir que je trouve un moyen de les mettre correctement, ou alors je vais faire ça comme ça, je vais en sauter comme ça je pense, 3 3 3, ouais, c'est pas terrible, hein. Bon écoutez, on va les laisser comme ça, c'est très bien, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc là on a vu, il n'y a rien de spécifique. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là les passages de roues, donc ça change pas. J'ai ajouté les roues de Jasper, hein, bien sûr, parce que mon objectif c'est de faire une remorque vraiment sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Les Durabrite, comme ça peut être pas mal. On va essayer de faire une remorque plutôt cool. Oui, on va dire quoi d'autre comme roues. Après c'est les roues classiques, banales.
Pop, 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 pop. Je pense que je vais plutôt mettre les leur standard polished. Ouais, on va mettre les Alcoa comme ça, c'est très bien. Il y a déjà les trucs et tout. Bah ça, on va le peindre. Du coup, on va faire un truc comme ça peut être sympa. Et bien sûr, voilà, les pneus en adéquation avec les roues. Alors, faut que je les retrouve par contre. c'est les Durabrite hein, qu'on avait dit, donc en version polish. Ok, donc ça, on n'y touche pas. Ça, on va juste peindre comme ceci. Et là, du coup, on avait dit juste les roulettes, voilà, comme ça. Non, c'est pas les bonnes roulettes, c'est celle-ci. Voilà, je me plante pas quand même. Tac. Et puis donc les autres. Alors, Alcoa, Durabrite. Voilà, sont là. Donc ça, on n'y touche pas. Ok, tac. Et donc les nœuds. Et voilà. Tac. Ça fait bien, quand même plus joli, hein, mine de rien. Bon, après, bien sûr, le skin, je vais le changer. Hein, je vais faire un truc plus sympa. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on n'a rien de spécial. Ici non plus. Donc, là, bon, on va mettre roue de secours et coffre. Très bien. Alors, là, on a un slot. C'est quoi? Ah, c'est les bavettes. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, les tampons de mise à quai. Bon, bah, ça reste tel quel. Par contre, effectivement, donc là, on a les pare-chocs. Donc, en fait, il a repris tout simplement les pare-chocs de base et il a rajouté des slots. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il aurait pu rajouter des pare-chocs vierges éventuellement. Donc notamment comme ceci, et mettre uniquement des slots pour qu'on puisse ajouter nos feux. Ça aurait été sympa, parce que souvent on rajoute des feux type hamburger, etc. Ou des feux à LED et compagnie. Mais là pour le coup on peut pas, il n'y a que des slots et je trouve ça dommage. Bon, toujours est-il, voilà, vous avez les pare-chocs ici par défaut SCS, enfin SCS, oui c'est ça, par défaut Wilton on va dire. Avec donc tous les slots, et donc le plus riche hein, clairement, bah, c'est celui-ci. Hein. C'est vrai que celui-là il est vraiment très 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 complet. Donc du coup on va partir sur celui-là et c'est très bien. Au niveau des bavettes, bon ça reste tel quel, hein. On a des bavettes Wilton et c'est tout, donc rien de spécifique. Alors du coup on va faire un truc, on va essayer de faire un truc sympa là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Alors est-ce qu'il a rajouté des trucs en plus? Parce que vous voyez il y a même les feux de Belka et tout, on aurait pu les rajouter quoi. Mais malheureusement, eh ben on va pas pouvoir. Même les feux de plaque et tout. Enfin bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un... Peut-être que ça viendra plus tard. Alors je mettrais bien un petit truc. Ah, c'est trop petit ça. Peut-être si je mets un super derrière, est-ce que ça peut le faire? Histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Peut faire un délire comme ça, voir. Bon, si on... faut atteler un Scania, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, on va faire un truc comme ça. Histoire de faire un truc plutôt cool. Alors, ici, je vais plutôt. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Des triangles, peut-être. Parce que lui, il a rajouté quoi? Ouais, white, left, lamp, machin. Ouais, il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Peut-être des tri. Alors, je sais qu'il y avait des triangles chez Belka, je crois, non? Des triangles. Des catadioptres. Il n'y en avait pas? Il me semble que si, il y en avait un. Faut juste que. Ah, ils sont là, voilà. Ils sont là. Donc, il y a plusieurs types. Hein. Donc, des gros, des tout petits. On va mettre donc le plus gros, hein, bien sûr. Ça sera plus simple. Voilà, comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, je sais pas si les autocollants ovales vont passer. Il me semble un peu gros. Voyons voir. Ah, il y a le truc derrière. C'est dommage. Ah, ça passe derrière le truc. Bon, bah ici, c'est. Alors, peut-être. Je sais pas. Alors, là, par contre. Ici, j'ai vu les plaques réfléchissantes, ça pète pas mal. Ah ouais. Ah, peut-être un peu trop gros celui-là. Ah, celui-là passe bien. Ouais, on peut mettre celui-là. Voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas. Regardez, ça rend le rendu plutôt pas mal. Et là, oui, on peut mettre l'autocollant ovale. Pourquoi pas. Alors attendez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Est-ce que. Alors attendez, hop, il est où le France? Il est là. Et ouais, là par contre, il passe plutôt bien. Donc ouais, ça rend pas mal. Eh ben écoutez, on va le laisser comme ça. Et puis bah, on va mettre des petites loupiottes ici. Alors on va mettre les loupiottes de SGD. Hein. Bah, elles sont là, hein, voilà. Donc les LED light. Ah, mais elles sont balèzes, hein, les LED light. Ça rigole pas. Alors attends, on va en mettre deux là, voilà, histoire de faire un truc plutôt ouais, dans ce genre-là. Histoire de voir un peu ce que ça donne. On peut mettre des feux de travaux sur les côtés. Je sais pas si. Alors je sais qu'il y a des feux de travaux hein, chez Belka. Bah, ils sont là d'ailleurs. On va les mettre. Regardez, ça passe bien, mine de rien. On va les mettre. On va pouvoir mettre. Alors je sais pas. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, c'est pas mal. Juste à côté du phare. Franchement, ouais, ça rend bien. Regardez, ça rend pas mal. Bon, voilà. On va faire un délire comme ça. Ou alors peut-être plus sur le côté, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Voyons voir. Ouais, à la limite, ouais, plus comme ça, je pense. Hein. Ça sera beaucoup mieux et ça fait plus sympa. Mais voilà. Donc du coup, bon, bah, écoutez, il est personnalisable.
un peu personnalisable, hein. C'est pas non plus un truc de fou, mais on voit déjà aussi qu'il y a un support de plaque en plus différent, vous avez vu. Il a rajouté un support de plaque, donc la plaque SCS devrait se générer dessus théoriquement. Donc on va voir ça. Alors, je sais pas si je vire le... Je pense que je vais virer ça. Et vous savez quoi, je vais mettre deux feux en plus ici, là. Je vais faire un truc vraiment... On va faire un truc tuninge. Tuninge, voilà. Hop. Eh, on est bien comme ça, hein, c'est bien. Je suis pas très fan, mais bon, c'est pas grave. Ok, alors on va continuer de personnaliser ça, on va mettre ça comme ça, ok. Là, on va mettre notre coffre à palette, donc on avait dit... Alors, je sais plus comment je les avais placés, les trucs. Donc, un au bout, et après, j'avais compté de 3 en 3, hein, c'est ça. Donc là, du coup, right, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, ok. Voilà, donc du coup, bah écoutez, on va laisser comme ça, hein. C'est dommage, ils sont mal disposés les slots. Ok, et puis bon, on va essayer de se faire une petite remorque cool. Alors voyons voir, y a pas une... J'ai vu un truc, alors attendez, hop, ah, peut-être pas ce truc là, non, ça fait... je suis pas très fan, on va faire le custom comme ça. Alors, le bleu, on va le mettre en rouge, ouais, c'est pas mal. Ça, on va le mettre comme ça, et le toit, même chose. Ça, on peut le peindre. Ah ouais, donc toute la carlingue, on peut la peindre. Ok. Eh bah écoutez, on va mettre ça comme ça, ouais. Pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Et là, donc, c'est coffre à palette et compagnie, par choc et tout. Bah, c'est le châssis hein, entier. Du coup, bah, le châssis entier, on va le mettre comme ça en gris. Hein. Là, on est plutôt pas mal. On est sur une remorque assez sympathique. Alors, pourquoi le coffre à palette ici, il est plus clair que de l'autre côté? C'est bizarre. c'est très bizarre. Enfin bon, bon, on va laisser comme ça. Ok, très bien. Alors, niveau erreur, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est jamais, hein, il peut y avoir des erreurs. Ah bah, il n'y en a aucune. Donc voilà, donc ça, c'est une bonne chose déjà. C'est très bien. Ok, on valide, on envoie ça ici. Tac, ok, c'est parti. On est bon. Est-ce que je peux atteler... Alors, je vais quand même retourner au garage par précaution, parce que si jamais je me suis éclipsé un peu plus loin, etc., bah, pour le coup, je pourrais pas atteler la remorque. Donc, je préfère retourner comme ça, ici, au dépôt, comme ça, je suis tranquille. Alors, gestion remorque, donc on va aller là, et on va faire utiliser. Ok, voilà. Tac, voilà. Et ben, on va aller checker ça ensemble. J'ai un chat dans la gorge, moi, ce matin. Alors, on va aller comme d'hab ici, voilà, comme d'habitude, on va se poser là, voilà, pour F9. Et donc, voilà cette remorque Wilton, et ben, on va y arriver, merci, hop, voilà, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais juste enlever ça, voilà. Alors, par contre, je vais juste changer le... Voilà, c'est mieux. Et donc, voilà ce que ça donne, hein, cette petite remorque Wilton, enfin, remorque Wilton, vous la connaissiez déjà, mais, comment dire... Cette personnalisation arrière, donc ce pare-choc. Bah écoutez, franchement, ça passe bien. Franchement, ça passe très très bien. Le seul bémol, comme je vous dis, c'est dommage. Il aurait pu faire un pare-choc, donc virer les feux et mettre des slots à la place. Ça aurait été sympa. Mais sinon, franchement, le rendu est plutôt cool. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je trouve ça assez sympa. C'est banal, mais c'est plutôt cool. Et puis de nuit, hein, si on peut, on peut faire un peu checker de nuit et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Voilà, l'éclairage, ce que ça donne. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Je vais juste mettre le contact comme ça. Voilà, l'éclairage de cette Wilton. Tac, marche arrière. Regardez, on a même un éclairage de plaque et tout. C'est sympa. Franchement, c'est plutôt propre. Ça va, c'est relativement correct. Mais je pense que ça va évoluer au fil du temps. Hein. Je pense qu'il va rajouter des choses comme il a fait sur le SGD Trailer Pack. Hein, donc pour les remorques SCS, je pense qu'il va l'améliorer, c'est sûr et certain. Voilà. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce mode. Bah oui, je vous le conseille, c'est sur le workshop, c'est gratuit. Donc pour ceux qui veulent personnaliser un tant soit peu leur remorque Wilton, vous pouvez grâce à ce mode. Alors bien sûr, hein, c'est valable uniquement que sur les remorques classiques, hein, donc plateau, bâché et fourgon. Sur les bennes, ça ne fonctionne pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, faites le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao tout le monde.